Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. ربنا. ربنا. آتنا. آتنا. في الدنيا. في الدنيا. حسنة. حسنة. وفي الآخرة. حسنا حسنا وقنا وقنا عذاب النار عذاب النار. Alors les enfants, on continue notre série de cours sur le bon comportement à avoir envers sa maman. Sur le bon comportement à avoir envers sa Nous allons à présent raconter l'histoire. Tu peux le poser ici. On va raconter l'histoire de Abu Moussa al-Ash'ari. Répétez, Abu Moussa. Abu Moussa. Al-Ash'ari. Al-Ash'ari. Radiyallahu anhu. Abu Moussa al-Ash'ari boit avec ta main droite, ma puce. On boit toujours avec sa main droite. Et on mange avec sa main droite. Parce que le shaitan, il boit avec sa main gauche. Et il mange avec sa main gauche. D'accord, mais nous, est-ce qu'on est le shaitan? Non. Est-ce qu'on aime bien le shaitan? Non. Est-ce qu'on fait ce que le shaitan y fait? Non. Est-ce qu'on mange comme le shaitan? Non. Est-ce qu'on boit comme le shaitan? Non. Non, donc on va boire avec notre main droite. Et on va manger avec notre main droite. On mange avec notre main droite. Quand on mange et on boit avec la main droite. Quand on donne et on prend avec la main droite. Par contre, comme il dit Ismaïl, Ibrahim, quand on va aux toilettes et on s'essuie, c'est avec la main gauche. Et si on est gaucher? D'accord, les enfants. Bah, si tu es gaucher, gaucher, c'est pas être handicapé. Si tu es gaucher, bah, tu peux écrire avec ta main gauche. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas boire, bah, tu utilises ta main droite. D'accord? Ou quand tu vas donner quelque chose, tu vas utiliser ta main droite. Il n'y a pas de problème. D'accord, Tesnim? Donc, Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu an. Naam, donc Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu an. Ce compagnon, au début de l'islam, il n'était pas musulman. Il n'était pas musulman. Mais il a entendu parler du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a pris ses affaires, il a voyagé, il a quitté son peuple et sa tribu pour aller rencontrer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est venu et il s'est converti à l'islam. Il est devenu musulman en disant « Ashhadu alla ilaha » إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Il est devenu musulman. Ensuite, le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il lui a dit, quelle est devenue cette femme de votre tribu? Et là, il a cité le nom d'une femme, précisément. Ils ont dit, ben, on l'a laissé là-bas. On l'a laissé là-bas. On l'a laissé dans notre tribu. Cette femme, elle était musulmane. Et qui a demandé après elle? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, mais on l'a laissé dans notre tribu, elle n'est pas venue avec nous. Elle n'a pas fait le voyage avec nous. Vous savez ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de cette femme? Il a dit, sachez que cette femme, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Elle a
aucun péché à son actif. C'est-à-dire que toutes les bêtises qu'elle a faites, Allah Azza wa Jalla lui a pardonné. Donc si elle meurt comme ça et quand elle meurt, elle va aller directement au paradis, sans passer par l'enfer. Et ils ont dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que cette femme, elle a fait pour qu'Allah Azza wa Jalla lui pardonne tous ses péchés? Qui veut savoir qu'est-ce que cette femme, elle a fait? Qui veut être comme cette femme pour qu'Allah lui pardonne tous ses péchés? Levez la main. Alors écoutez bien ce que cette femme, elle a fait. Comme ça, vous aussi, vous allez faire comme cette femme. Vous savez ce qu'elle a fait? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parce qu'elle a été gentille avec sa mère. Pour sa bonté envers sa maman. Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, un jour, alors que sa mère, elle était très vieille, sa mère, elle est devenue très très vieille. C'était une vieille femme. Elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus courir. Et là, un homme est venu en courant. Il a fait du bruit. Il a dit, attention, attention, les ennemis arrivent. Ah, il y a l'adhan, les enfants. On répète après l'adhan. Ouvre la porte, on va entendre l'adhan. Répétez, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ash-shahadu an la ilaha illallah. Ash-shahadu an la ilaha illallah. Ash-shahadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah. Alors retenez les enfants, même quand on raconte une histoire ou peu importe ce que l'on fait, lorsqu'on entend l'adhan, on répète après le mot adhan et ensuite on va faire les deux A. Donc vous pouvez répéter après moi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد وبارك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم رب هذه دعوتي تامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والفضيلة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ensuite, après l'adhan, on fait des du'a. On demande tout ce que l'on veut à Allah. Allah Azza wa Jal va nous le répéter. Et on va dire une des invocations les plus importantes. Rabbana. Rabbana. Atina. Atina. Fid dunya. Fid dunya. Hasana. Hasana. Wa fil akhirati. Wa fil akhirati. Hasana. Hasana. Wa qina. Wa qina. Azab an-nar. Donc on reprend l'histoire avant la prière, les enfants. Oui. On reprend l'histoire et ensuite on va prier, Inch'Allah. Donc, cette femme... C'est pas grave. Cette femme, elle avait une maman. Vous vous souvenez de qui on parle? Cette femme, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de cette femme? C'est qu'Allah lui a pardonné tous ses péchés. Parce qu'elle était... Parce que quoi, Ibrahim? Elle était très contente. Parce qu'elle était très gentille avec sa... maman. Avec sa maman. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte un des comportements que cette femme a eu. Il dit que sa mère, elle était très âgée. Elle était très vieille, elle avait du mal à marcher, elle avait du mal à... Courir. Les grands-mères, ils courent. Et un homme, il est venu de loin, dans le village, dans la tribu. Il a fait du bruit, il a dit alerte, alerte. Il y a un ennemi, il y a des méchants qui vont venir pour envahir notre tribu, pour envahir notre village. Il faut vous sauver, il faut quitter cet endroit. Mais elle, cette femme, sa maman, elle était très âgée. Elle, est-ce qu'elle est partie en courant et elle a laissé sa mère dans le village? Mais sa mère, elle ne peut pas marcher. Sa mère, elle ne peut pas courir. Elle l'a apportée? Exactement. Elle l'a pris sur son dos. Elle a mis sa mère sur son dos. Et elle s'est sauvée. Et elle a couru. Mais il faisait très très chaud. Il faisait très très chaud. Et par terre, le sol était brûlant. Mais des fois, elle était trop fatiguée, cette femme. Elle était trop fatiguée parce que porter sa mère sur son dos, c'est lourd. Alors, quand elle est fatiguée, est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? Non. Si elle pose sa mère par terre, sa mère se brûle parce qu'il fait très chaud. Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? Quand elle était très fatiguée, elle l'a reposée sur elle. C'est-à-dire que elle s'allongeait par terre, comme ça, sur le dos. Elle brûlait son dos parce qu'elle faisait chaud, et elle mettait sa mère sur elle. Comme ça, sa mère pouvait s'allonger, mais sa mère n'avait pas chaud. Ensuite, ses pieds à sa mère, ils risquaient de tomber par terre. Donc, elle a pris ses pieds. Regardez mes pieds ici. Elle a mis ses pieds à elle en dessous des pieds de sa maman. Ça veut dire que, est-ce que sa maman, elle était bien installée? Oui. Est-ce que sa maman touchait le chaud? Non. Mais c'est elle qui touchait le chaud à la place de sa maman. Et elle a fait cela jusqu'à ce qu'elle a pu sauver sa maman de ses ennemis, de ses méchants qui étaient venus les attaquer. Vous avez vu, les enfants, le comportement magnifique que cette femme elle a eu avec sa maman. Et qu'est-ce qu'elle a gagné, cette femme? Le paradis, puisqu'Allah Azza wa Jalla lui a pardonné tous ses péchés. Donc on va lever nos mains et on va demander à Allah de nous pardonner tous nos péchés ainsi qu'à nos parents. Et retenez, les enfants, cette invocation que l'on va dire. Apprenez-la et répétez-la toujours dans vos prières et en dehors de vos prières. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Waliwalidayi. Waliwalidayi. Je veux l'écrire. Ah oui? On peut l'écrire dans le cahier. Inch'Allah, on pourra l'écrire dans le cahier. D'accord? Répète, les enfants, on répète, on fait dua pour nos parents. Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi rahamhuma kama
Rabbayani. Rabbayani. Sagira. Sagira. Rabbi irhamhuma. Rabbi irhamhuma. Kama. Kama. Rabbayani. Rabbayani. Sagira.